La parole est à Monsieur Hervé Solignac pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Les évolutions des dernières semaines sont particulièrement impressionnantes. Une équipe de chercheurs de Stanford a récemment annoncé être en mesure d'entraîner un modèle équivalent au célèbre ChatGPT-3 avec un budget de seulement $600. Plusieurs publications laissent penser que nous approchons d'une intelligence artificielle dite forte, c'est-à-dire capable de comprendre toute tâche intellectuelle qu'un être humain peut accomplir. Ces développements soulignent l'importance de se doter d'une stratégie nationale, j'insiste là-dessus, pour assurer notre souveraineté et garantir que la France soit compétitive sur la scène internationale. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Existe-t-il une stratégie gouvernementale pour faire face à ces défis, notamment en matière d'investissement, de recherche et de formation ? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre. Merci, ministre Madame délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Excusez-moi, Monsieur le ministre. Merci, allez-y. Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez raison de dire qu'il y a dans l'intelligence artificielle de grandes promesses et de grands progrès. Je pense en particulier au progrès de la recherche scientifique avec l'intelligence artificielle qui sauve d'ores et déjà des vies en permettant de détecter des cancers très précocement et donc de les soigner, ou encore de découvrir de manière beaucoup plus accélérée des traitements ou des vaccins comme ça a été le cas pendant la Covid-19. Mais pour que cette technologie reste au service de l'humain et au service des Français, il faut en avoir la maîtrise plutôt que de la subir. Il faut créer un cadre de confiance dans lequel ces innovations peuvent se développer. Pour en avoir la maîtrise, le président de la République a lancé en 2018 une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, éclairée par le rapport de Cédric Villani, dotée de 1,5 milliard d'euros, qui a permis notamment la création de 4 instituts interdisciplinaires pour l'intelligence artificielle à Nice, à Toulouse, à Grenoble et à Paris, qui produisent aujourd'hui des résultats. Nous avons 500 doctorants de plus qu'auparavant, 190 chaires consacrées à l'intelligence artificielle. Nous avons doublé le nombre de diplômés en intelligence artificielle et nous avons à peu près 600 entreprises innovantes spécialistes de l'intelligence artificielle. Cette stratégie a été renouvelée en 2021 dans le cadre de France 2030 et nous veillons avec Bruno Le Maire et Sylvie Retailleau à ce qu'elles tiennent compte des dernières évolutions en matière d'intelligence artificielle. Vous le voyez, monsieur le député, sous l'autorité de la Première ministre, le gouvernement est pleinement mobilisé pour que, en matière d'intelligence artificielle, la France reste souveraine. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Solignac. Merci, monsieur le ministre. Vous venez de répondre à cet instant au 578e député, puisque la question que je viens de vous poser a été entièrement rédigée par ChatGPT. Vous noterez que le robot qui vient de vous interroger n'a pas soulevé les questions de sécurité, de liberté, de démocratie ou de menace pour notre civilisation. Or, les vrais sujets sont précisément ceux que le robot contourne. Ne contournez pas les réponses, monsieur le ministre. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre vous et le robot, parce qu'il y a urgence. La recherche est aux mains de groupes privés qui n'ont aucun intérêt à ralentir leur course folle et la pause réclamée par certains leaders de la tech est absolument illusoire. L'Union européenne a initié un processus législatif trop long, trop lent. La France doit exhorter les grandes démocraties à ouvrir le débat sur les transformations économiques et sociales qu'on peut redouter et à construire très vite une autorité de régulation. La France doit dire qu'elle ne placera jamais son destin technologique au-dessus de considérations vitales et universelles et que la société n'a d'avenir que dans l'humanisme, la liberté et la protection de sa vulnérabilité. Merci beaucoup, mon cher collègue, monsieur le ministre. Monsieur le député, qu'il ne faut pas perdre l'espoir dans l'intelligence humaine, puisque j'avais un peu anticipé la suite de votre question. Nous créons en européen un cadre de confiance. L'Europe sera bientôt la première démocratie du monde à installer un cadre pour l'intelligence artificielle qui dira les usages pour lesquels l'intelligence artificielle est interdite, les usages critiques pour lesquels elle sera conditionnée à des déclarations de transparence et d'audit et les usages pour lesquels elle Merci sera autorisée. Beaucoup. Et la France a veillé à ce que l'innovation puisse se développer, mais dans un cadre de confiance. Merci beaucoup, monsieur le ministre.